Le groupe Renault réaffirme son empreinte industrielle en France et crée à Flins la ReFactory, la première usine européenne d'économie circulaire dédiée à la mobilité. Précurseur dans le domaine de l'économie circulaire et de la mobilité durable, nous changeons de dimension en accélérant notre engagement pour la préservation du climat et des ressources. Grâce à la contribution positive de ces activités, la ReFactory deviendra également le premier site européen spécialisé dans la mobilité avec un cap de bilan carbone négatif à 2030. La ReFactory accueillera un écosystème ouvert pour innover à chaque étape du cycle de vie du véhicule. À l'horizon 2030, nous visons plus de 3000 emplois liés à nos activités. Comment ? En s'appuyant sur un large réseau de partenaires et à travers 4 pôles d'expertise. 1. Retrofit. Pour prolonger la durée de vie des véhicules et de leurs usages, nous allons rassembler les expertises comme le reconditionnement des véhicules d'occasion ou des flottes, ainsi que le retrofit pour convertir les véhicules vers des énergies moins carbonées. Résultat ? Des véhicules moins polluants qui roulent plus longtemps. 2. Re-Energy. Nous développerons l'écosystème électrique et de nouvelles solutions énergétiques. Réparation des batteries, nouvelles opportunités d'exploitation en seconde vie des batteries, comme le stockage stationnaire des énergies renouvelables. À terme, la ReFactory ambitionne également d'être un pionnier de nouvelles sources d'énergie, comme l'hydrogène. 3. Recycle. Le site rassemblera toutes les activités permettant d'optimiser le cycle de vie des matières et des pièces. La collecte, le démantèlement, le réemploi, le remanufacturing et le recyclage. Ces boucles de matières permettront d'approvisionner l'écosystème de la ReFactory et de ses partenaires et de continuer à augmenter la part de matériaux recyclés dans les véhicules. 4. Restart. L'innovation et le partage de connaissances sont les moteurs de l'économie circulaire. C'est pourquoi un incubateur de start-up développera des savoir-faire. Un campus universitaire permettra d'accélérer la recherche et la formation à la mobilité de demain. La performance de cet écosystème reposera sur les nombreux atouts du site de Flins, l'efficience des processus industriels et le partage des savoir-faire et des moyens de recherche regroupés en un même lieu. Avec la ReFactory, la transformation du groupe Renault est en marche.